Un accident dramatique a eu lieu vendredi sur l'autoroute. Deux voitures qui roulaient à une vitesse normale se sont percutées et l'une d'elles a fini sa trajectoire dans la glissière de sécurité. Le choc n'a pas été très violent mais à l'arrière, un enfant de 8 ans n'était pas attaché. Sans ceinture, il a été projeté contre le pare-brise. Rapidement évacué par les secours, il souffre de graves blessures au visage et d'une fracture des vertèbres cervicales. Tout de suite, écoutons les précisions du sergent Roland de la Gendarmerie nationale. Sergent depuis 1990, la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à l'arrière. Un défaut de port est sanctionné par une amende de 135 euros et une perte de 3 points. Pour la plupart des conducteurs, s'attacher est devenu un réflexe. Par contre, à l'arrière, on estime qu'un passager sur dix n'est pas ou mal attaché. Lorsqu'il s'agit de mineurs, c'est la responsabilité du conducteur de vérifier qu'ils sont attachés et installés dans un dispositif adapté à leur âge et à leur morphologie. Et alors, à votre avis, en cas de choc, quels sont les risques véritablement en cas de choc, même si le choc est peu violent, le risque d'être tué est multiplié par 5 si la ceinture n'est pas bouclée. Dans cet accident, l'enfant n'était ni attaché ni assis dans un siège adapté, d'où les multiples traumatismes dont il souffre aujourd'hui. Merci beaucoup, sergent, pour toutes ces précisions. Et pour illustrer vos propos, nous allons tout de suite regarder des images de crash test. À 100 km/h, le mannequin est projeté avec une force de plusieurs tonnes vers l'avant. Et sans ceinture, un simple choc à 50 km/h correspond à une chute du quatrième étage. N'oubliez pas ces images et avant de prendre la route, pensez-y en bouclant votre ceinture.